Donc, on va pouvoir débuter. On va commencer avec les points avec Julie. Elle a plusieurs choses à nous dire. Donc, Julie, à toi la parole. Alors, écoutez, mon premier point, c'était justement le lieu où on peut diffuser les prototypes d'épreuves, les versions maison que vous faites, les adaptations aux prototypes qui vous sont fournis par le ministère. On s'entend que ceux que le ministère vous fournit, c'est par le dépôt le sécurisé qui sont transmis par la sanction. Mais quand vous faites des versions maison que vous voulez partager avec d'autres commissions scolaires, ben, le lieu le plus sécuritaire, on a fait quand même là, plusieurs tests, on a vérifié à plusieurs endroits qu'est-ce qui serait la façon la plus pratique de diffuser ces contenus-là. Et c'est à l'aide de Mara. Alors, on a déjà là, fait un lieu de dépôt là, qui s'appelle bon, Programme informatique FGA. Et puis, vous allez trouver sur la page, là, dans le à propos, là, on a essayé de diviser ça en deux sections. Vous voyez la section de gauche, là, c'est indiqué documents d'accompagnement. Ici, on va aller placer des documents qui sont pas autant confidentiels que les prototypes d'épreuves, mais toutes sortes de documents d'accompagnement que vous voulez partager avec d'autres. Pour le moment, il n'y a rien, mais il y a des choses qui vont s'ajouter cette semaine à cet endroit-là. Là, je pense à des documents qu'Alain Dumais a produits. On va pouvoir les partager à cet endroit-là. Puis dans la portion de droite, là, on a mis une petite note là, pour dire que c'est sûr que les prototypes maison que vous placez là, ben, c'est vraiment là, il faut s'en servir là, vraiment pour la sanction et ça demeure là, confidentiel. Alors, présentement, là, le prototype d'épreuve, le INF 4041, c'est Louise qui a développé là, ce cours-là. C'est un cours local, là. Alors, vous pouvez trouver tout le contenu. Puis, il y en a d'autres qui vont apparaître cette semaine, là. Il y a Alain qui a fait aussi là, des versions un peu plus proches des savoirs là, qui sont proposés dans chacun des cours. Fait que je pense qu'il y en a deux qu'on va déposer cette semaine. Puis, si vous en avez d'autres, ben, ce serait le lieu qu'on pourra les déposer. Alors, moi, je les ai mis plus là, sur la page du à propos. Je trouvais ça plus facile d'aller les rechercher. Mais en principe, là, quand vous venez déposer vos choses, on passe par le menu fichier ici. Le cours 4041 à Louise est déjà là. Puis bon, il suffit là, de créer un dossier puis vraiment glisser là, tout votre contenu à cet endroit-là. Puis ça va, on va pouvoir les partager là, à l'ensemble des intervenants là, qui ont accès à Mara. Je vais ajouter, Julie, que pour l'inscription à Mara, il faut passer Oui, par merci Louise les aussi. administrateurs. Donc, vous pouvez m'envoyer un courriel ou à Marie-Josée, puis on va vous ajouter. C'est certain qu'on n'ajoute pas tous les enseignants et tout le monde comme ça. On va ajouter peut-être une personne par centre qui est une personne qui est responsable de la sanction. Je pense que c'est ça qui serait peut-être l'idéal, le conseiller pédagogique par centre. Puis vous devez déjà avoir un compte là, sur le Moodle, puis après ça, je vais pouvoir vous ajouter. Là, ça va assez bien. J'ai testé, j'ai ajouté Cyril ce matin, puis c'est vraiment pas compliqué à ajouter, mais il faut vraiment avoir l'autorisation, là. C'est pas tout le monde qui va m'écrire et me dire, ah, peux-tu m'ajouter? On va essayer de trouver une personne responsable par centre. Donc, si vous êtes enseignant, vous pouvez demander à votre conseiller pédagogique là, de communiquer avec moi. Okay, on va revenir là, à l'ordre du jour. Fait que, écoutez, vous pourrez aller, je pense, là, tu me corrigeras, Louise, mais quand les gens déposent, on peut être notifié là, quand il y a un nouveau dépôt. Hein? Fait qu'à ce moment-là, Ouais. Oui, puis on vous peut allez écrire voir là, aussi. quand Il y a un forum, donc on peut donner des commentaires aussi, là, de dire, ben, j'ai mis une nouvelle version, par exemple, vous utilisez une version d'examen. Entre parenthèses, je veux dire que le cours de 40-41, ce n'est pas le cours de Louise, on est quatre. Donc, il faut souligner la contribution de Marie-Josée, d'Alain Dumais et de Cyril Rostom. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe et l'examen a été fait par Alain. Donc, si par exemple vous dites, ben moi j'ai fait une version B du 40-41 où j'ai relevé une coquille dans une évaluation ou que j'ai des difficultés pour tout ce qui concerne finalement l'évaluation, on va pouvoir aussi utiliser le forum. Si vous avez des questions qui est vraiment précises sur les évaluations, on peut pas en parler dans le forum qui est plus public. Mais dans ce forum-là, on va pouvoir avoir des discussions là, plus pointues. Mais évidemment, ça va être va falloir montrer patte blanche pour entrer dans cette communauté-là.
Tout à fait. C'est vraiment le lieu sécurisé là, pour pouvoir justement vous partager et discuter de sujets un peu plus chauds. Ouais, ben Alors, merci j'y vais avec le beaucoup. deuxième point. J'y vais avec le deuxième point, la nouvelle transmission des prototypes. Ça, j'ai eu des questions là, dernièrement. Présentement, là, les versions anglaises des prototypes informatiques sont diffusées là, régulièrement, je dirais, là, petit à petit, là, au fur et à mesure que la traduction est faite. Là. Fait que je pense que présentement, il y en a quatre dans le réseau. Et à chaque fois qu'il y a une transmission des prototypes anglais, on envoie aussi une nouvelle version en français. Puis là, ça porte à confusion parce que les gens disaient, oui, mais pourquoi on a une nouvelle version? Y a-t-il des modifications? Alors, les nouvelles versions qui sont transmises en français, la seule modification qui a été apportée, c'est que la grille interprétation critérielle a été ajoutée dans le cahier de l'adulte, okay, pour que l'adulte puisse voir sur quoi il va être évalué. C'est la seule modification. Il n'y a pas eu d'autres modifications là, en ce qui touche le contenu ou la pondération. Aucune modification, seulement l'ajout de la grille. Et c'est quand même pratique là, d'avoir cette nouvelle version-là, mais vous n'avez pas besoin de vérifier qu'est-ce qui a été modifié. Là, je vous dis, c'est vraiment uniquement l'ajout dans le cahier de l'adulte. OK, je suis rendue à mon dernier point si je n'ai pas de questions. Le formulaire de rétroaction des épreuves, ça, je vais vous mettre un lien là, dans le clavardage. Là. Ils ont refait le formulaire, puis je pense que c'est envoyé directement le plus facilement à la direction de l'éducation des adultes, là, les rétroactions que vous avez face aux épreuves. C'est sûr que ce formulaire-là a été fait plus pour les épreuves ministérielles, mais moi je trouve ça quand même pratique, là, que si vous avez des commentaires, par exemple, des choses que vous trouvez inexactes ou quelque chose qui accroche dans les prototypes là, informatiques, si vous en faites part, ben, je ne dis pas que le ministère, je ne pense pas qu'ils vont faire de deuxième version là, des prototypes d'informatique. Par contre, BIM, lui, il travaille à faire des versions B là, des prototypes en informatique. Alors, ça pourrait être pratique pour eux de savoir, ben voilà, tel prototype, il me semble que c'est à cet endroit-là, ce n'est pas tout à fait exact. Alors, ils pourront en tenir compte là, pour faire leur prochaine version. Donc, je vais vous mettre là, dans quelques minutes là, le lien là, si vous avez là, des commentaires à faire sur un prototype de cours en particulier. Ça fait le tour, Louise, moi, de ce que j'avais à dire. OK, mais merci beaucoup. Là, je vois qu'il y a une question dans le clavardage de Samira pour donner plus d'explications sur le cours INF 4041. Là, c'est certain, nous, on l'a présenté à la première rencontre de communauté de partage le mois dernier, mais évidemment, ce n'est pas tout le monde qui était là. Donc, le cours INF 4041, je vais faire brièvement là, une petite histoire de ce cours-là. C'est qu'on avait, avec le changement de programme, on a beaucoup d'élèves qui arrivent pour faire les cours du nouveau programme et qui n'ont pas les préalables, disons, les connaissances de base en informatique, parce que le nouveau programme en informatique est plus exigeant. Donc, on avait au début fait un genre de mise à niveau là, qui durait peut-être une dizaine d'heures ou peut-être moins, là, dépendamment des élèves. Et puis, Julie nous a proposé de construire un cours en quatrième secondaire, un cours de un crédit, qui permettrait à l'élève d'aller chercher des compétences pour utiliser l'ordinateur, mais qui ne touche pas les savoirs qui sont vus en présecondaire ou en secondaire 1 et 2. Puis, ça ne touche pas non plus les savoirs de cinquième secondaire. Donc, on est allé plus au niveau de la structure de l'ordinateur. On a comme trois volets, la structure de l'ordinateur, tous les petits logiciels cachés qui sont dans les accessoires Windows, puis la sécurité sur Internet, les différents navigateurs et la protection aussi là, de la vie privée et tout ça. Donc, c'est trois volets comme ça qui donnent un crédit de quatrième secondaire. Donc, on a fait aussi une évaluation. Et puis, c'est un cours quand même qui peut aussi générer le DES pour les élèves là, qui ont un DEP avec des crédits obtenus au secteur des jeunes, puis qui veulent déclencher un DES avec un crédit aux adultes. Donc, il peut aussi servir pour ça. Puis là, je vais rajouter, je vais enchaîner avec la question qu'on avait eue, je t'avais posée, Julie. Je ne sais pas si tu as eu le temps de trouver une réponse par rapport à ça. Si ça peut, ce cours-là peut entrer dans les crédits, dans les unités en maths sciences technologies.
Je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder ça. Oui, Louise, j'ai regardé, je suis en train de retrouver ma référence, là. Alors, pour les crédits, là, ben, moi, je vais vous référer au guide de gestion de la sanction des études. C'est à la page 36. Je vais vous faire la petite lecture, là, en fait, là. J'essaie juste de retrouver. Bon, le ministère décerne le diplôme d'études secondaires de l'élève qui a accumulé au moins 54 unités de la quatrième ou la cinquième secondaire, OK? Donc, au moins 20 unités de la cinquième secondaire et les unités obligatoires suivantes. Alors, là, c'est 12 unités là, en langue d'enseignement, 8 en langue seconde, 4 en quatrième ou cinquième secondaire dans le domaine de l'univers social, puis 8 unités de la quatrième ou cinquième secondaire dans le domaine de la mathématique. Okay? Alors, un coup qu'on a répondu à ces critères-là, tout le reste, le INF 4041 rentrerait dans les crédits en autant qu'on respecte les consignes qui sont données. Comme je vous dis, page 36, guide de la sanction des études, je vous mets ça dans le clavardage aussi, cette information-là. OK, bien merci beaucoup. Puis Samira, est-ce que ça répond à votre question par rapport au cours INF 4041? Puis on a le lien dans le document collaboratif parce que le cours est tout en ligne. Donc toutes les activités d'apprentissage et tout ça, c'est en ligne. Puis l'évaluation est dans le MARA, donc on regardera là, pour l'accès à l'évaluation. Donc, c'est un cours qui se donne déjà dans quelques commissions scolaires, ça va très bien. Et puis je pense que les élèves aiment beaucoup ce cours-là aussi parce que ça touche toutes sortes d'aspects vraiment pratiques pour eux. Donc, on va passer au prochain point. Je ne sais pas c'est qui a mis ce point-là, recension des pratiques en salle d'examen. On t'écoute. Alors, lors d'une dernière rencontre avec mes collègues de la Montérégie, on s'est posé la question sur qu'est-ce qui se faisait dans les salles d'examen en lien avec l'accès Internet ou pas pour les épreuves. Alors, on s'est dit que ce serait sans doute une bonne idée que de faire une liste de toutes les pratiques qui ont cours en ce moment dans les différents centres au Québec d'utilisation des épreuves informatiques en salle d'examen. Donc, c'était juste un besoin qui a été manifesté. Puis, ben, on pourrait partir un document collaboratif et demander à tout un chacun d'aller indiquer c'est quoi ses pratiques. OK. Est-ce que tu juges que ce document-là devrait être dans Mara? Est-ce qu'il peut avoir des informations sensibles ou ça peut être juste dans le forum ou dans un document collaboratif? Comment tu verrais ça? Je ne crois pas qu'il y ait des informations sensibles qui fassent en sorte qu'il faut absolument que le document soit OK, protégé. ben je peux t'en donner une information qui c'est parce qu'on a déjà discuté à quelques reprises, là. Puis par exemple, comment aller vérifier l'historique, par exemple, de dire, bon, de donner l'indication à la personne qui fait la surveillance d'examen, si elle a un doute, d'aller vérifier l'historique. Mais si l'élève dit, ah, je sais qu'il va vérifier l'historique, je vais aller l'effacer. Tu sais, c'est peut-être des idées comme ça, là. C'est pour ça qu'on s'est dit, est-ce que les pratiques de surveillance. Est-ce que l'élève doit savoir ce qu'on fait quand on le surveille? Parce que s'il sait, il peut peut-être prendre les moyens. Bon, en tout cas, c'est peut-être vraiment des exceptions, là. C'était pour ça qu'on se demandait si on mettait ces informations-là publiques ou pas. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est mettre un document privé, uniquement ceux qui ont le lien, puis on met le lien dans Ouais, Mara. on pourrait faire ça Donc, comme ça, ouais. Moi, ce que je peux te répondre jusqu'à maintenant, c'est que nous, on avait proposé, Marie-Josée, Cyril et moi, on avait proposé un atelier, genre de table de discussion pour mettre en place ces pratiques-là, en fait, mettre en place des propositions ou des modèles à la rencontre des RSP. Notre atelier n'a pas été retenu comme atelier de 2 heures, mais a été retenu comme carrousel. Donc, ça change un peu la donne parce qu'en 20 minutes, c'est un petit peu difficile. À faire une table ronde, là, disons. Mais c'est ça, je pense que de mettre un document, parce qu'il y a déjà des gens là, qui ont mis en place des choses, et puis ça va être vraiment de créer des modèles, OK? Vous ne savez pas comment vous y prendre, voilà la façon de faire. Puis aussi, on se posait la question, puis je pense que Julie aussi pourrait répondre là-dessus, parce qu'il y a des gens qui m'ont posé la question, je t'en ai parlé déjà, Julie, par rapport à est-ce que c'est obligé d'être en salle d'examen?
pour faire les évaluations. Donc, ça aussi, c'est des questions là qu'on faudrait vraiment répondre une fois pour toutes. Tout ce qui ont le droit aussi, parce qu'on m'a posé aussi la question, est-ce qu'il y a le droit à son guide d'apprentissage s'il utilise le logiciel? Donc, c'est toutes des questions que ce n'est pas clair encore. C'est sûr, c'est la première année, il faut se donner du temps, mais je pense qu'on pourrait vraiment faire une espèce de cadre de référence là, assez précis avec quelques modèles là, qu'on pourrait, dans lesquels les gens pourraient piger là, pour mettre en place leur structure. Juste un petit mot, Louise, Oui. j'attends quand même une réponse officielle, moi, de la part de la sanction pour la salle d'examen, parce qu'effectivement, ce n'est pas clair. J'ai cherché quand même dans le guide de la sanction, il n'y a rien qui précise là, que ça doit se faire en salle d'examen, sauf quand c'est spécifique là, à la formation générale des jeunes, mais pas en formation générale des adultes. Mais c'est sûr que, tu sais, on s'attend à ce que tout soit sécuritaire, là, mais il n'y a pas de consigne là, vraiment là, qui dit que ça doit être absolument en salle d'examen. C'est souhaitable, mais on sait que dans certaines régions, c'est plus difficile d'avoir une salle vraiment là, réservée aux examens. Mais ça, je vais avoir la réponse officielle de la sanction là, très bientôt. D'accord. Okay. Mais il n'y en a pas d'obligation Non, d'être c'est en ça. salle de test, Hein? c'est OK. ça. C'est ce que je Puis je pensais. pense que même pour toutes les épreuves, là, en fait, n'importe quelle Tout à fait. discipline, c'est pas marqué nulle part dans les DDE ou dans les guides d'administration. Hein. Mais c'est le respect c'est de mettre en place une structure qui assure le respect et la confidentialité des épreuves. Donc, c'est vraiment ça. S'ils sont pas en salle d'examen, comment ils procèdent pour vraiment sécuriser les épreuves, là. Donc, on va faire ça, un document là, par rapport à des modèles de fonctionnement. On était déjà là-dessus, là, donc je pense que d'avoir un document qui soit qui peut être consulté par tout le monde, ça serait quand même une bonne idée. Puis merci beaucoup. Je pense que le point suivant il porte aussi là-dessus. Poste dédié aux évaluations, logiciel espion. Oui, merci. Effectivement, ben là, on vient déjà de répondre en partie là, aux questions que j'ai déposées hier. Puis c'est ça, je me demandais aussi si il y avait des évaluations qui se faisaient en classe au lieu de se faire en salle d'examen. Si c'était le cas, justement, moi j'avais certaines questions, en tout cas. Par rapport, bon, la gestion des versions, la distribution, la cueillette. Pour l'instant, nous, les élèves les font en salle d'examen. Mais c'est ça. Je me demandais quand même en classe, on voulait voir là, un peu les deux scénarios possibles. Fait que c'est pour ça, je voulais avoir une idée là, si déjà dans des milieux ce scénario-là était appliqué et si oui, comment, là. Mais j'ai quand même, là, en sachant que vous allez avoir un atelier carrousel lors de la rencontre nationale, c'est sûr que je vais m'organiser pour pouvoir avoir les infos, là. Oui, puis on le donne à deux reprises, donc ça laisse C'est plus de génial. chance, oui. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager C'est bon. leur pratique de salle d'examen? Oui, allô. Chez nous, les examens se déroulent exclusivement en salle de classe. On a quatre centres d'informatique, donc il y a un prof par centre. Donc, quatre enseignants font des examens dans les salles de classe. Nous, on essaie de les amener en salle d'examen. Puis on a eu une levée des boucliers de nos quatre enseignants qui préfèrent en salle de classe. Comment on procède? C'est qu'eux, ils ont les examens sur une clé. Ils ont une clé USB sécurisée, encryptée, je veux dire. Ils ont l'examen là-dessus. Et lorsque l'élève a un examen à faire, chaque classe a un îlot avec deux ordinateurs dédiés aux examens qui sont un peu en retrait des autres. Fait que là, l'enseignant, lui, il dépose les examens à faire sur le poste en question. L'élève a une session dédiée pour examen. Chaque élève qui se connecte chez nous a toujours sa propre session utilisateur. Là, pour les examens, on a deux sessions d'examen. Donc, l'élève qui arrive dessus, pour cet îlot-là, il se connecte juste avec la session, puis il n'est pas connecté à Internet. Même si on dit que les examens doivent être l'élève accès à Internet, à ma commission scolaire, les quatre enseignants ont totalement refusé que les élèves soient connectés à Internet. Ils ont pris des images puis des vidéos, ce qu'ils ont besoin. Ils ont mis tout le document, ils ont fait des documents supplémentaires qu'ils ont rajoutés sur leur clé. Donc, ils donnent ça à l'élève. Ils impriment les examens au besoin, à l'examen. Puis quand l'examen est terminé,
ben, ils retirent de l'examen sur la session d'examen, puis ils corrigent ça, puis finalement, ils enregistrent, ils conservent ce qu'ils ont besoin. Donc, ça se fait quand même relativement bien, mais nous, on essaie d'amener ça en salle d'examen parce que là, on commence à avoir de plus en plus d'élèves de formation à distance. Eux ne pourront pas se présenter en classe, donc on ne veut pas avoir deux catégories d'élèves. Ceux qui sont en formation à distance doivent arriver dans un cadre plus strict qu'arrivent en salle d'examen, puis ceux qui sont en présentiel, ben, eux, ont le droit, je ne veux pas dire que c'est moins, il y a du laxisme en salle de classe, mais il me semble que ce n'est pas équitable pour un et l'autre. Donc, on essaie de tout amener cela, mais comme je vous disais, on a une certaine levée des boucliers des enseignants en classe pour conserver les examens en salle de classe. Et qu'est-ce que c'est leur argument? Des questions, oui. Leur argument de garder ça en que classe? S'il y a un le gros argument, c'est qu'ils disent que s'il y a un problème technique, comme mettons, des fois, ils vont arriver, il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas, avec là, ils disent qu'ils peuvent dépanner l'élève. Il peut y avoir un élève à besoin particulier, change de matière, mais un élève à besoin particulier qui se retrouve en salle d'examen avec un ordinateur peut aussi se retrouver devant un problème technique. Le réseau ne fonctionne pas, quelque chose, donc ça peut arriver, mais eux, c'est ce qu'ils disent pour lequel ils veulent garder en classe, c'est que si jamais il y a un pépin technique, ils sont là pour pouvoir quand même aider l'élève, pas à faire l'examen, mais à passer par-dessus le problème technique qui pourrait se poser. J'ai été une dizaine, 10-15 ans enseignant des formes depuis 1996. Puis moi, c'est peut-être arrivé dans toute ma carrière, c'est peut-être arrivé, je te dirais peut-être 4-5 fois maximum qu'il y a eu des choses. Les problèmes techniques que certains élèves avaient, c'est que c'est eux qui avaient mal fait une commande. Donc là, ils étaient mal pris dans une mauvaise situation, sauf que c'est eux qui devaient apprendre à se débrouiller avec la situation. Ils ont effacé leurs fichiers, des choses comme ça. C'est des choses qui font partie aussi de l'apprentissage, je trouve, de l'évaluation. Un élève qui fait son examen doit quand même être capable il arrive à la fin du cours, il n'est pas au début où qu'on y apprend, on est à côté de lui pour être sûr qu'il ouvre le bon document. Donc, comme je dis, mais des vrais problèmes techniques, dans ma vie, j'en ai vu, là, je dis 5, 6, peut-être 10 max, mais je ne suis même pas sûr de ça. Fait que je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Je sais qu'on essaie de conserver une certaine sécurité par rapport à nos élèves, mais il y a peut-être de la part de mes 4 enseignants, il y a peut-être une surprotection des élèves qui veulent faire. D'accord. Bon, ben bon courage. Tu nous diras si jamais ça fonctionne, quel argument qui a fonctionné pour ça. Ben là, je suis bien content d'entendre que vous allez avoir quand même un document avec un listing des pratiques en salle d'examen. On va pas mal se baser là-dessus, moi et ma direction, pour quand même amener de cause aux enseignants, parce qu'on est. On ne veut pas imposer aux enseignants, on est consultatif avec eux, on veut quand même que la décision qu'on veut prendre, on la prend pour eux, mais on la prend avec eux aussi. Donc, le document que vous voulez faire avec Stéphane, ça va être génial. Ça va nous demander de donner des bons arguments pour pouvoir amener le côté positif de la chose. Merci beaucoup. On va passer à Dani. Oui, j'ai bien hâte, moi aussi, de voir ce document-là. Le sujet m'est venu justement avec une enseignante ici à mon centre la semaine dernière qui se posait la question, bon, si on le fait en salle d'examen ou en classe, ce qu'elle aimerait comme possibilité, étant donné qu'en salle d'examen, la surveillante... ne connaît pas grand-chose en informatique non plus, donc elle ne peut pas intervenir, c'est clair, mais c'était de trouver une façon d'enregistrer tout ce qui se passe à l'écran, mais à distance, pour pas que l'élève se mette à arrêter, pour pas mettre un outil d'enregistreur d'écran directement sur son poste pour pas qu'il risque de le manipuler, mais que ça se fasse à distance. En tout cas, c'est ça. On cherchait à savoir si c'était possible, si la surveillante d'examen pouvait déclencher ça à distance, pour que l'enseignant puisse regarder ce que l'élève a produit durant tout ce qu'il a fait durant le temps de l'examen. C'est la question qu'on se posait. Là, je ne sais pas si ça se fait, si c'est possible. On a le logiciel Vision qui permet de voir à distance, mais c'est ça. Là, on ne savait pas s'il y avait une fonction d'enregistreur d'écran que la surveillante pourrait déclencher à distance. On en était là dans notre discussion. Je pense que Julie a une réponse pour toi. Ouais.
J'ai une réponse. Oui, ça se peut, là. Moi, quand je travaillais au Cégep, on travaillait avec un logiciel qui s'appelle Imprero ou Impero. J'essaierai de te mettre le lien. Puis c'était une fonction là, qui était disponible là, de pouvoir enregistrer. Puis ça se faisait à partir du poste d'enseignant et non pas du poste de l'élève. Donc on pouvait enregistrer tout ce qu'il avait fait pendant la séance. Mais c'est certainement pas le seul outil là, qui existe là, de ce type-là. Là. Mais Dani, si ça t'intéresse, là, je pourrais te donner de l'information supplémentaire. Merci beaucoup. Ben, excellent, merci. Puis je vois ce que Stéphane a mis dans le clavardage aussi. Ça me donne des idées que je n'avais pas pensé sur l'organisation de la chose. Ben, merci. Merci, Dani. On va passer à Julie Bélanger. En fait, chez nous, ben, on commence seulement là, à donner des épreuves. La façon que ça s'oriente, ça va être en salle d'examen. Nous, on a un logiciel qui s'appelle, je pense que c'est comme un pendant de vision, qui est Insight. Puis ça permet aux surveillants de voir ce que l'élève fait à son ordinateur. Alors, c'est de cette façon-là qu'on va procéder. Donc. Alors, c'est à suivre. Là. C'est sûr qu'on va voir avec la pratique, mais je pourrais vous en dire un petit peu plus après les fêtes. Merci. Tout ce que vous donnez là, comme information, ce serait important de le mettre déjà là, dans notre document collaboratif. Puis nous, on va les reprendre. Là, ça va nous faire déjà un point de départ pour ce qu'on va faire là, spécifiquement pour les évaluations. Là, je vais laisser la parole à Cyril. Oui, bonjour. Alors, c'est une discussion très intéressante. En fait, nous, on a eu le même questionnement en début d'année. Puis la façon dont on a été plus avec un aspect dissuasif comme tel, parce qu'étant donné que les élèves ont accès à Internet, comme c'était demandé en fait au départ pour pouvoir voir comment ils allaient, vu qu'on leur propose des tâches où ils ont allé chercher du contenu sur Internet, faire des références par rapport à ce contenu-là, etc., voir comment ils gèrent tout ça. Donc, il fallait comme un moyen dissuasif. Nous, on avait déjà des licences de LandSchool qui étaient disponibles, puisque quand les élèves travaillent sur leur poste dédié en salle informatique, en salle d'examen, je veux dire, dédié à la passation des examens en informatique, eh bien, ils savent qu'ils sont d'une certaine façon surveillés par l'intermédiaire de LandSchool. Donc, actuellement, on n'enregistre pas tout ce qui se passe à l'écran, mais on leur mentionne qu'ils sont quand même sous surveillance. Puis, je dirais, on a eu quand même pas mal d'examens, puis ça s'est bien passé. Les seules choses qu'on a vues dans deux cas, c'est un problème où l'ordinateur gèle. Puis, ce qui fait que l'examen doit être pris. Mais on ne sait pas pourquoi cet ordinateur a gelé comme tel. Et comme on n'enregistre pas, ben, on n'a pas forcément les actions qui sont faites avant. Ce qui fait qu'on, entre guillemets, faut faire confiance à l'élève sur ce qui s'est passé. Donc, c'est un peu ce côté-là qu'on a vécu deux fois. Mais à part ça, les élèves sont concentrés dans la tâche qu'ils font pendant l'examen. Ils sont quand même en temps limité. Donc, de façon générale, c'est... Bon, en tout cas, pour nous, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Merci. Moi, ce que je peux dire, dans ma région, il y a des centres où les élèves font les évaluations en salle d'examen, puis d'autres, c'est en classe. Donc, il y a les deux possibilités là, dans ma région. Donc, on va passer au point suivant. Bon, matériel autorisé, je pense que ça, c'était correct. S'il y en a qui avaient des choses à ajouter, c'est parce qu'on a eu, j'ai eu une demande à un moment donné, est-ce que les élèves ont le droit à leur guide d'apprentissage, par exemple, s'ils travaillent avec le logiciel, s'ils ont le droit de l'utiliser? Moi, je réponds oui. Donc, on va passer au point, la mise à jour de BIM. Il y a monsieur Laurendeau de BIM qui a mis ce point-là. D'abord, merci de l'invitation. Je me présente, Philippe Laurendeau. Je suis conseiller en évaluation, en sciences et technologies, en secteur jeune, secteur des adultes, et maintenant également secteur de l'informatique. Le CPC, comité de planification BIM-FGA, a donné mandat à BIM pour faire des épreuves en informatique. Et récemment, je pense en septembre, quelque chose comme ça. Donc,
On va commencer à faire des épreuves pour tous les sigles de prescrits. Alors voilà. Le fonctionnement, il est de deux façons, en fait. Il y a une façon où je peux aller accompagner des équipes dans les milieux. Vous décidez que vous aimeriez faire une épreuve pour un des sigles, vous m'appelez, on convient d'un calendrier, d'un fonctionnement, et j'accompagne une équipe sur place et aussi un peu à distance pour élaborer une épreuve ensemble. L'avantage, évidemment, c'est que BIM s'occupe du respect de la DDE, évidemment, et on s'occupe de l'informatisation, de la mise en page, on s'occupe aussi de libérer les droits d'auteur s'il y a des textes, s'il y a des images. On s'occupe de ça également. On a des graphistes qui peuvent faire différents dessins. Donc, on prend en charge toute la partie un peu le plus poutine, je dirais, le plus technique là, autour de l'élaboration de l'épreuve comme telle. Et puis, moi, je coordonne un peu là, tout ça, là, le travail avec les équipes sur le terrain, puis le travail avec l'équipe BIM là, pour déposer, pour l'épreuve à ce moment-là est déposée sur J'examine. Et partager avec l'ensemble du réseau. Alors ça, c'est la première façon de fonctionner. La deuxième, bien, il est possible aussi pour les milieux de nous envoyer une épreuve élaborée dans un milieu. Donc, vous avez une épreuve faite pour un cycle de cours, vous aimeriez la partager avec le réseau, donc il serait possible de nous l'envoyer ici à BIM. Nous, on fait les vérifications, on s'assure que l'épreuve est conforme, évidemment, et puis s'il y a des images, s'il y a du graphisme à faire, s'il y a des droits d'auteur à libérer, on va s'occuper de ça. Et on va la distribuer, on va la rendre disponible via J'examine également. Dans ce cas-là, dans le cas où vous soumettez une épreuve déjà réalisée, il est possible d'avoir un crédit entre 250 et 500 $ par épreuve à l'organisme qui soumet une épreuve dans ce temps-là. Évidemment, il faut que l'épreuve qui est soumise soit complète, donc conforme et complète, donc on peut s'occuper de quelques trucs de mise en page, etc., mais il faut que l'épreuve soit complète pour avoir droit au crédit. Alors, ça, c'est les deux façons, dans le fond, qu'on peut élaborer, collaborer avec BIM pour soumettre une épreuve qui peut être déposée dans J'examine. Présentement, il y a sur mon bureau, présentement, il n'y a qu'une seule épreuve. C'était une épreuve qui était soumise par la commission scolaire des Samars. Elle est sur mon bureau depuis septembre. Elle est presque terminée. On a eu, entre autres, des enjeux de droit d'auteur. Donc, il y avait un texte dans l'épreuve soumise qui n'était pas libre de droit. Donc, BIM s'est occupé de trouver un texte, de libérer les droits. Et donc, cet enjeu-là débloqué maintenant, on va être capable de déposer sur J'examine. Donc, l'épreuve est à l'étape de la révision linguistique. Donc, je pourrais dire que d'ici, avant Noël, l'épreuve serait disponible sur J'examine. Donc, je parle de INF 5067, une okay. Version B. C'est bien, merci. J'imagine qu'on peut communiquer quand même avec vous si quelqu'un a des questions. Est-ce que vous partagez votre adresse de courriel? Je ne sais pas si ça a été mis dans le document collaboratif. Non, je vais l'ajouter, là, justement, dans le courriel. Donc, c'est la façon, dans le fond, soit pour poser des questions, soit vous avez une épreuve que vous aimeriez proposer à BIM. Donc, vous communiquez avec moi, on s'entend sur une façon de faire, un fonctionnement, puis après ça, bien, on pourra passer à l'action. OK. Puis, est-ce que quand il y a une nouvelle épreuve de déposer, comment est-ce que les centres sont informés? Bien, à chaque mois, il y a une liste de nouveautés, J'examine. Donc, toutes les nouvelles épreuves ou les mises à jour d'épreuves sont communiquées via un communiqué qui a été mis une fois par mois. Et sur le site de BIM en ligne, on peut s'abonner à cette liste de nouveautés. Donc, on peut recevoir un courriel tous les mois nous informant des nouveautés et des mises à jour de certaines épreuves. Merci beaucoup. Parce qu'on a une intervention d'Alain. Oui, bonjour Philippe. Je voulais savoir si les épreuves qui vont être faites justement par BIM vont être déposées dans la banque de BIM directement. Sont toujours disponibles via J'examine, le logiciel J'examine. C'est ça, oui. Puis, est-ce que les prototypes, eux, les prototypes ne sont pas dedans, eux, ils n'iront pas dans la banque de J'examine ou ils risquent de s'y retrouver un jour? À ma connaissance, ils sont déjà là. Parce que, avant que moi, ma commission scolaire, ce qu'on a, c'est les sigles sont là, mais ils sont vides à l'intérieur.
Je ne sais pas, c'est peut-être juste chez moi, il y a peut-être quelque chose avec celui qui s'en occupe, mais il me semble que nous, on a créé une banque parallèle à dont j'examine, une banque locale qu'on a mis les prototypes du ministère dedans. Je vais vérifier. J'ai cru voir. Ben, j'ai fait une vérification, ça fait un petit bout de temps. Je pensais qu'ils étaient là. Habituellement, pour les autres disciplines, les épreuves prototypes. Je vais vérifier avant de m'avancer sur quelque chose. Ben, merci beaucoup. Si vous êtes capable, ça serait intéressant, là. Merci. Oui. Merci. Je vais l'ajouter là, rapidement pour dans un point à l'heure du jour de la prochaine rencontre là, qui est en février ou fin janvier, je ne me souviens plus. Donc, on va pouvoir là, faire le point là-dessus à la prochaine rencontre. Excellent. Et merci beaucoup. Plaisir. Il y a encore un point sur les sujets d'évaluation à FBD. Plusieurs personnes qui ont mis ce point-là. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses à ajouter, si on a fait le tour. C'est sur les sujets d'évaluation à FBD informatique. OK. Est-il possible de faire des modifications au protocole d'examen et de proposer d'autres versions maison, sinon ajouter une feuille avec des consignes plus claires? Je pense que c'est question, je ne sais pas qui peut répondre, je pense que ce serait peut-être Julie. Oui, alors les prototypes d'examen en informatique, ce sont vraiment des exemples là, qui sont produits par le ministère que vous pouvez modifier à volonté. Là. C'est vraiment là, sous votre responsabilité. Fait que non, il n'y a pas de problème là, à faire des modifications puis à ajouter. Là, en autant que ça respecte la DDI, vous pouvez faire les ajustements que vous désirez. C'est sûr que quand c'est des petits ajustements, là, ça passera pas par BIM là, pour transmettre une nouvelle version. Là, c'est à ce moment-là qu'on utilise justement Mara là, pour pouvoir diffuser là, ces modifications-là quand vous voulez. Je ne sais pas si ça répond à la question, hein, Samira. Parfait. Il y avait un point que j'ai ajouté, mais ce n'est pas moi qui vais en parler. Cyril a fait des SA en INF 5075 et 5078. Je les ai regardés, c'est très bien. J'aimerais ça, Cyril, si tu as envie de partager un petit peu, nous parler de ces épreuves-là et de quelle façon on peut y accéder, on peut les avoir. Oui, pour les épreuves, je les ai déposées en fait dans le forum de discussion hier pour l'INF 5075 et 5078. Donc, j'ai déposé deux liens, en fait, qui pointent vers deux fichiers ZIP qui contiennent le cahier de l'adulte et puis les documents, les fichiers joints. Donc, en fait, ces épreuves, c'était un besoin en début d'année parce qu'on avait, on donnait le 5075 puis le 5078, puis on n'avait pas vraiment de matériel pour consolider tous les apprentissages de l'élève à la fin. Pour le 50-75, c'est vraiment une préparation aussi au type d'examen qu'ils vont avoir. Donc, la façon de présenter les consignes et tout sont vraiment présentées de la même façon. J'ai vraiment pris la même feuille de style que les évaluations. Ça fait que quand les élèves arrivent à l'examen, ils ne sont pas surpris de la forme qu'il a en termes de présentation. Puis, chez nous, les élèves commencent avec le INF 75 après la mise à niveau, le INF 40-41. Ils commencent avec le 75, ce qui fait que c'est quand même le premier cours qu'ils découvrent quand ils ont, mettons, plusieurs cours d'informatique à faire. Donc, c'était important, ce qui fait que je vous laisserai la regarder, en fait. Puis, moi, je suis ouvert à tous les commentaires aussi, mais on a quand même des élèves qui les ont faites et puis ça a bien fonctionné. Pour le 50-78, il y a quelques épreuves où on demande aux élèves d'utiliser du faux texte. Et avec les enseignants, on trouvait que pour le 50-78, c'était un peu... parce que le 50-78, quand on regarde l'évaluation, il y a énormément de contraintes. Puis,
travailler, ça demandait quand même pas mal de travail pour faire la présentation, ce qui fait qu'on s'est dit, est-ce qu'on pourrait proposer quelque chose qui serait utile à l'élève, pas juste en informatique. Donc, on voulait plutôt le faire travailler sur quelque chose de plus significatif. Donc, on a proposé un projet où l'élève fait une recherche sur un thème. Ici, c'est un pays, son pays d'origine ou un pays qui l'intéresse. Puis, il définit un ou deux enjeux qui sont spécifiques à ce pays-là, puis il en parle, il en fait une présentation. Donc, il y a du contenu malgré tout à créer. Ce n'est pas du contenu donné. L'élève doit faire une recherche. Mais comme c'est une présentation, ce n'est pas non plus des pages et des pages de texte. Donc, ça reste quand même succinct. Puis, on a proposé, ce n'est pas obligatoire, mais on a proposé d'avoir une approche multidisciplinaire, que ce soit avec des cours de français ou des cours en monde contemporain. Donc, il y a un petit document d'accompagnement qui présente une grille dans laquelle on indique à l'élève un peu comment aller chercher, comment se faire un peu prendre position. On est en cinquième secondaire, donc c'est plus juste je parle. Il y a quand même une prise de position à prendre sur un thème, puis associé à ce pays-là. Puis, on lui donne une grille qui lui permet quand même de faire cette recherche-là. Et s'il est en parallèle dans un cours de français ou de monde contemporain, ben c'est sûr que là, l'accompagnement de l'enseignant en français ou en monde contemporain est intéressant. L'avantage de ça, c'est qu'à la fin, il y a une présentation qui est vraiment bien faite et puis qui peut servir à ces deux cours de français ou de monde contemporain. Donc, c'est ça. Ce qui fait que l'ASA, c'est sûr qu'elle prend plus de temps que les 180 minutes qu'un examen demande, étant donné que l'élève va faire sa recherche de contenu. Mais au moins, c'est un peu plus significatif, puis le produit final est quand même plus intéressant que juste avec du faux texte. Puis on est en apprentissage aussi. Donc voilà, en gros, c'était ça ce que j'ai déposé. Oui, merci. Là, tu as dit que tu l'avais déposé dans le forum d'informatique. Est-ce que je l'ai déposé sur Alexandrie aussi? Oui, sur Alexandrie aussi, c'est déposé, ça devrait être en ligne assez rapidement. Mais je n'ai pas déposé ça comme des SA, j'ai déposé ça comme des activités, ressources, etc. D'accord. Je pense qu'il y avait une autre question pour toi. Voilà. Oui, c'est une situation d'apprentissage, ouais, tu l'as bien précisé aussi, là. Oui. Ouais, puis ça, il n'y a pas de problème je pense qu'il n'y a pas de problème à offrir des situations d'apprentissage, même s'ils sont à la fin, pour voir si l'élève est prêt pour faire son évaluation, même si c'est plus lourd que l'évaluation, parce qu'on veut aller chercher autre chose. Puis, il y a juste qu'il faut préciser à l'élève que de dire ça, c'est une situation qui fait finalement, mais ton examen ne sera pas lourd de même. Il faut préciser quand même à l'élève que ça va être plus long à faire que ce qu'il va avoir à faire en salle d'examen. Puis à ce moment-là, ben, il va être plus disposé à le faire là, en disant, mais là, tu vas développer vraiment toutes tes compétences. Là. Puis l'intégration de matière, c'est vraiment, je pense que c'est une voie qui est vraiment intéressante pour l'informatique. Là. Oui, puis de toute façon, je dirais les élèves, le premier élève qu'on a eu dans le 50-78, il a fait le constat lui-même, il a fait, le pays c'était le Canada, puis il a fait plusieurs, le froid au Canada, puis d'autres, je ne me souviens plus exactement, mais en tout cas, il a fait sa présentation, puis on lui avait mentionné clairement qu'à l'examen, il n'aurait pas la recherche au niveau du texte à faire, mais le sujet était intéressant ou l'intéressait, ce qui fait que la recherche en elle-même est juste une source de motivation plutôt que l'inverse en tant que telle. Ouais, donc, mais oui, c'est mentionné clairement à l'élève, puis il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des éléments qu'on doit observer chez l'élève aussi pendant son apprentissage et en particulier vers la fin, parce qu'il y a des éléments pour lesquels on a de la difficulté il y a des critères pour lesquels on a de la difficulté à avoir de l'information simplement durant l'évaluation comme telle. Donc, ces situations-là, puis c'était le choix de l'équipe ici, ces situations-là permettent de faire ces observations et en fin de parcours. C'est pour ça que c'était important d'avoir quelque chose qui se tenait, puis qui était assez,
Je dirais, en termes de contraintes, ce n'est pas très différent de ce qui est demandé à l'examen. C'est vraiment la partie recherche comme telle qui est plus recherche de contenu finalement. C'est plus long, qui s'ajoute comme telle. D'accord. C'est ça. Mais qui est plus significative. Voilà. Ouais, puis je pense qu'il y en a dans le clavardage, je n'ai pas le temps de tout lire, là, mais qui ont. De toute façon, je vais copier le clavardage pour le mettre dans le document collaboratif. Puis il y en a qui ont, je pense qu'ils ont mis d'autres choix de code de cours aussi où ça pourrait. Ça pourrait s'intégrer. S'appliquer. C'est sûr, là, on a ajouté 3 cours de français, à la suggestion aussi d'Alain, 2 cours de 4 et de 3, puis les 2 cours de monde contemporain. Mais partout, l'élève aura à prendre position. Puis ça, en 5e secondaire, on sait que c'est quelque chose qui est important. Mais en fait, partout où l'élève a à prendre position sur quelque chose, le modèle peut être utilisé. Ouais, même en anglais, quasiment. Aussi. Oui. Tout à fait. Il y avait une intervention de Julie Frève. Oui, bravo, vraiment vu un peu là, les documents, je trouve ça vraiment intéressant. J'ai juste un petit truc qui me fatigue un peu. Là. Je comprends que le modèle ait été pris comme sur les prototypes, je trouve ça excellent, mais j'ai peur que ça porte à confusion. Je ne sais pas si on peut le préciser. J'ai vu que vous aviez mis votre logo, ça, c'est super bien, mais comme c'est une situation d'apprentissage puis qu'on retrouve là, à différents endroits le code de l'épreuve, c'est ce bout-là là, que je trouve qui peut porter à confusion. Même chose aussi sur la durée, je mettrais peut-être la durée suggérée, je ne sais pas trop, parce que je vous entendais tantôt dire que ça pouvait prendre plus que 180 minutes. Là. Donc, c'est un peu là, mes petites réserves, là, peut-être faire au niveau là, du code de l'épreuve, peut-être marquer situation d'apprentissage tout du long. Là. C'est mon seul commentaire, mais bravo pour le travail. Donc, mais oui, j'avais la même, j'ai vu le numéro d'épreuve, j'ai vu tout ça, ça c'est des choses qu'on peut enlever, ça ne gêne pas du tout, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, s'il y en a qui ont l'occasion de le tester là, d'ici la prochaine rencontre, vous pouvez donner les commentaires là, à ce moment-là. Il nous reste 5 minutes et un point. C'est plus un point d'information. Juste pour vous dire que la SOFAD est actuellement en processus de rédaction d'une collection de guides d'apprentissage pour l'informatique 5e secondaire. Si vous êtes intéressé à participer là, pour à la rédaction là, de guides d'apprentissage à la SOFAD pour l'informatique, vous pouvez communiquer avec, je pense que c'est Diane Pageau, qui envoyez votre CV ou votre des informations là, parce que je pense qu'on va peut-être avoir du besoin de rédacteurs parce que je pense qu'ils sont assez ambitieux là. Il y a beaucoup de codes de cours qui ont été sélectionnés. Alain, est-ce que tu peux intervenir? Oui, bien, j'allais dire, il n'y a pas de secret, Louise, là ça fait plaisir de partager l'information, parce que surtout, si des personnes sont intéressées, on va avoir à collaborer ensemble assez étroitement, parce que comme Louise a dit, il y a énormément de cycles de bord. On a quoi, il y a 17-18 cours là, en informatique FBD, ils ne les feront pas tous, mais c'est assez ambitieux, c'est vrai ce qu'ils veulent prendre là. Et on a peut-être été laissé un peu de côté pour le matériel, mais là, je crois qu'ils sont en train de se reprendre là, de façon assez bien. Donc, ça peut être intéressant pour toutes les personnes qui sont intéressées, comme Louise dit, peut-être de communiquer avec Mme Pageau de la SOFAD. Là, on connaît pas encore tout le déroulement, le développement de la situation, mais ça devrait être quand même un projet assez intéressant. Puis pour avoir déjà fait des livres avec la SOFAD avant, je sais que c'est quelque chose qui demande beaucoup. Écrire un livre, ça ne se fait pas facilement. On s'embarque dans un processus d'autour d'un an, mais c'est tellement une expérience merveilleuse et enrichissante autant au niveau professionnel qu'au niveau humain avec les collaborations qu'on a pour ça que tout le monde est invité là, pour ceux qui sont intéressés. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, là, on aurait fait le tour d'autres points ou d'autres questions, on aurait fait le tour de notre heure du jour. Donc, ben, je vais vous souhaiter une belle journée. Soyez prudents sur les routes, là, ceux qui sont dans la tempête. Puis aussi, des joyeuses fêtes. On devrait se revoir au mois de janvier. Puis n'hésitez pas à aller ajouter des points dans le document collaboratif. Il reste ouvert tout le temps. Donc, moi, je vais tout de suite préparer pour la prochaine rencontre. Donc, vous pouvez aller dès cet après-midi rajouter des points ou
pour la prochaine rencontre ou des commentaires.